l'arracheuse de pommes de terre, de nouveau en marche. Allez, on est parti. Depuis 2 semaines, cet agriculteur retourne la terre avec sa machine. C'est le moment de la récolte. On est en train d'arracher la récolte qui a été plantée au mois d'avril. Il y a combien d'hectares à traiter là pour vous ? Environ 90 hectares à arracher. Un mois de travail pour une quantité largement au rendez-vous. 4500 tonnes de prévues, aussi bien que les années précédentes. C'est la récolte essentielle sur la ferme et on va vers l'automne, donc les jours un peu plus courts, un peu moins beaux, donc il faut profiter des plus belles journées. Bon alors, comment ça va? Tout se passe bien? Ça va. On a eu peur du printemps très pluvieux, mais finalement, le mois d'août s'avérait plus clément et les conditions étaient réunies pour obtenir une récolte satisfaisante. Ici, 60% des féculents sont destinés à une coopérative de la Somme. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Aurélie. Ça va? Ça va bien. Le groupe accompagne durant cette période 140 producteurs de pommes de terre en lien direct avec les industriels. On a fini les primeurs la semaine dernière. Donc les primeurs, c'est les pommes de terre qu'on ne va pas du tout conserver. Là, actuellement, on stocke des pommes de terre qu'on va déstocker, donc on va charger jusqu'au maximum la semaine du 14 juillet. Des produits ensuite analysés et distribués pour les grandes marques de chips. Une filière qui se porte bien, a priori. Ah, toujours, 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 il n'y a pas de problème. Il y a une très grosse demande en chips et il y a une très grosse demande en pommes de terre. Donc, il y a de la demande, il n'y a pas de souci. Des rendements corrects en perspective pour ce marché. L'an passé, la récolte connaissait déjà une forte hausse en Picardie, selon les bilans de la profession.